Coucou à tous, bienvenue dans ma cuisine. J'espère que vous allez très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une astuce que je vais partager avec vous. Comment réussir son poisson frire, poisson poêlé à la maison. Vous pouvez accompagner avec de la tchéké, du bangkou, ou bien vous pouvez faire ça avec de la soupe de poisson. C'est une astuce très simple et facile à réaliser. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles recettes. Pour les ingrédients, il vous faut trois ingrédients. Vous aviez besoin du poisson tilapia. Il faut, pour vous débarrasser des odeurs du poisson, il faut bien frotter le poisson avec du citron et bien laver. Il faut bien laver et puis découper. Il faut nettoyer, bien nettoyer propre. Ensuite, vous aviez besoin de 200 g de farine de maïs. J'ai ici la farine de maïs jaune. Vous pouvez utiliser la farine de maïs blanc si vous voulez, c'est au choix. Je disais deux poissons tilapia, 200 g de farine de maïs. Il faut bien nettoyer et découper en morceaux. N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous et activer la cloche de notification pour ne pas manquer des nouvelles recette. Maintenant, je vais tremper le poisson dans la farine de maïs. Il faut juste tremper légèrement. Et voilà, il faut répéter la procédure. Et voilà, après avoir trempé le poisson dans la farine, maintenant on va passer à la friture. Dans une poêle, il faut déposer la poêle au feu, ensuite mettre l'huile végétale. Il faut laisser l'huile chauffer avant de frire le poisson. Et voilà, maintenant mon huile est chaude. Pour vous débarrasser des odeurs du poisson, il vous faut une feuille de persil. Il faut mettre la feuille de persil dans l'huile chaude. Ensuite, il faut mettre le poisson et frire. Vous allez constater que la maison ne va pas sentir. C'est une astuce très simple et pratique. Il faut essayer là, il faut essayer, vous allez me dire. N'oubliez pas de partager la vidéo, partagez, abonnez-vous, likez. Partagez et abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles recettes. Il faut frire les deux faces. Il faut laisser la première face dorée. Ensuite, il faut retourner la deuxième face. Il faut frire jusqu'à ce que le poisson soit croustillant. Il faut laisser dorer. N'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer des nouvelles recettes. Partagez la vidéo. Et voilà, mon poisson est prêt. Je vais les retirer. Il faut les retirer et répéter la procédure. Il faut répéter la procédure pour ne pas que le poisson se colle à la poêle. Il faut, si vous mettez le poisson, il faut laisser la première face dorée avant de tourner le poisson. Ensuite, en plus, il faut laisser l'huile chauffer premièrement avant de mettre le poisson et laisser la première face dorée avant de tourner.
Si vous tournez et que ce n'est pas encore cuit, ça va coller la poêle. N'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles recettes. Partagez, il faut partager l'actus avec vos amis. Et voilà, yummy, yum yum. Et voilà, mon poisson est prêt. Je vais accompagner avec du dunkunu et une sauce tomate piquante. Et j'ai émincé un demi-oignon que je vais rajouter. N'oubliez pas de liker, partager. Merci de regarder la vidéo. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye. N'oubliez pas de partager. Bye. Bisous.